ravi de vous revoir. C'est re... Moi j'entends des coups de feu. Prends un abri d'abord. Abri. Ravi de vous revoir. C'est relativement calme pour une fois. Vous vouliez quelque chose ? Bon, on va éviter de lui dire que... Qu'est-ce que vous pensez ? Que c'est une synthétique. On ne le voit pas tellement souvent. Il a l'air assez... pieux, on va dire. Les gens d'ici ne l'apprécient pas spécialement. Il fait bien de rester dans l'observatoire. Pourquoi cette question ? Comment vous punissez les meurtriers ? On est trop indépendant pour s'embarrasser de lois. Mais si quelqu'un est reconnu coupable de meurtre, la tradition, c'est dur. Je vous laisse. Au revoir. On va éviter de... On va en parler avec l'autre. Allez faire un tour aux pêcheurs. Si le brouillard ne nous charge pas, les j'ai tempêtes des armes, le feront. Si vous avez les capsules... Oh, et puis merde. Dima a tué le capitaine Avery. Et il l'a remplacé par une synthétique. C'est ça, et moi je suis... Attendez, vous dites ça sérieusement ? Hein ? J'ai toujours su. Merde, je le savais. Mais votre parole suffit pas. Dites-moi que vous avez des preuves. Il nous faut des preuves que Dima et Avery sont... Attends. Oui, donc, on disait... Qu'est-ce que vous en feriez ? Si je vous apportais des preuves, qu'est-ce que vous en feriez ? En quoi ça vous... Pardon. Ouais, voilà. Écoutez, si Dima nous remplace par des synthétiques, j'ai le droit de savoir. Vous pouvez... Là, tu me diras, ça fait deux quand même. Il y a aussi ton pote marchand qui est un synthétique. Ah tiens, vas-y. Voilà ce que j'ai. Ouvre tes preuves. Cette amulette appartient à Avery, pas de doute là-dessus. Et le crâne ? Ce crâne pourrait être à n'importe qui, mais... Le docteur ! Teddy peut faire une sorte de test médical. Un test ADN ou je sais pas quoi. Il nous dira si c'est Avery ou pas. Si c'est bien le sien, revenez me voir immédiatement. Des choses nous guettent dans le brouillard. Et ben voilà. Hey doc ! Sale époque. J'ai encore perdu un patient, André. C'est jamais facile. Dites-moi que vous allez bien au moins. Ah ouais, mais juste, tiens. Vous pourriez examiner ce crâne, docteur ? Je voudrais savoir à qui il appartenait. On me demande pas ça tous les jours. Je peux faire des tests. Ça a l'air de vous tenir à cœur. Donnez. Alors... T'as un mec qui allait vite, hein ? Ah oui, d'accord. Écran noir, ça va. Non. Dites-moi que je rêve. Non. Non. Avery est morte depuis des années. Acadia a truqué le jeu, c'est ça ? Cette preuve que vous détenez, qu'est-ce que vous comptez en faire ? On va quand même limiter les dégâts. Je veux résoudre cette affaire en limitant au maximum les dégâts collatéraux. Les quoi ? Ah oui. Ah oui, les quoi ? Mal tourné, en effet. Des galettes, j'irai rien à personne. Si cette histoire s'apprenait, disons qu'on serait dans de sales draps. Si vous avez vraiment besoin de vous soulager la conscience, parlez-en directement à Avery. Je sais bien qu'elle n'est pas vraiment humaine, mais je la connais. C'est quelqu'un de bien, aussi chiante qu'elle soit. Mais surtout, dites rien à Allen Lee ou vous provoquerez un bain de sang. Comment dire... J'ai déjà dit à Allen Lee. J'ai vu Allen Lee. Eh ben... Ouais, ben, vous allez faire du dégât avec ça. Bonjour, comment allez-vous ? Ah, tu vas prendre le bateau, mon gars ? Ah, message. Ravi de vous revoir. C'est relativement calme pour une fois. Vous vouliez quelque chose ? Deux secondes. Donc, nous disions, la Brahmi est en train de péter un câble derrière. Tu n'es pas le capitaine Avery. J'ai la preuve que Dima a tué le vrai capitaine Avery. Tiens, dans ta gueule. Mais c'est mon médaillon et le crâne. C'est toi. Enfin, Non, je sais bien qui je suis. Je ne peux pas être une synthétique. Je sais que c'est dur à avaler. Je ne sais pas pourquoi vous me mentez. Ça suffit. Ouais, ça suffit. J'ai vu le squelette d'Avery de mes yeux. C'est son crâne. Ce n'est pas. C'est donc vrai ? C'est bien une synthétique ? Eh ouais. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ? Tout ce que je sais ? Ouais.
Si vous m'avez menti, c'est votre seule chance de tout avouer. Compris ? Je suis... Enfin, de mon point de vue, je suis le capitaine Avery. Bon. Bon, ben, écoute. Je suis désolé pour ce... La seule chose, tout ce que je peux faire, c'est vivre d'une manière qui me semble juste. Dima est un meurtrier doublé d'un menteur. Il doit payer. Mais si vous parlez de ça à qui que ce soit, en particulier à Allen Lee, de nombreux innocents vont souffrir. Far Harbor est déjà dans une situation précaire. Ça ne fera qu'empirer les choses. Parlez à Dima. Si vous pouvez lui faire payer ce qu'il a fait. Bon, je promets rien. Je ne peux rien vous promettre. Far Harbor est déjà dans une situation. Ok. Si jamais vous parlez trop. Lee ? Le docteur a examiné le crâne. Si vous avez des preuves qu'Avry a été rendu. Je reviendrai. Ouais, c'est ça. Maniez-vous d'aller voir Teddy. On va faire ces choses proprement. Ah ! Et puis merde ! Non, il y a la fille que je veux sauver. Allons voir Dima. Bon, mon pote. Je vous en prie. Ne parlez à personne de ce qui a été dit ici. Trop tard, j'ai fait ma grosse hey, toucan. Ouais. Y a-t-il quelque chose que je peux faire ? Fais comme si j'étais pas là. On doit discuter de ce que vous avez fait à Far Harbor. Nous ne pouvons plus revenir en arrière. Nous devons absolument... Défendez vos opinions de... Et s'ils se mettent en tête de détruire Akkadi ? Allez, vas-y. Je me moque de vos raisons. Oui, je ah, enfin. Me souviens. Le sang. Les... Très bien. Parfait. Vous ne pouvez pas. Dima, si vous allez là-bas, vous ne reviendrez pas. Mon cher Faraday, vous savez bien qu'il n'y a pas d'autre option. Dima, il y a toujours d'autres options. Ne faites ça pas va, ça. Ça va, tu t'en bats les couilles, ton robot gay. Ne partez pas. Si c'est le seul moyen de vous protéger, alors je dois payer pour mes crimes. Vous êtes tous bien trop importants à mes yeux. Dima, je vous en prie. Soyez fort, Faraday. Tout ira bien. J'espère que votre confiance envers les habitants de Far Harbor est justifiée. Akkadia ne sera plus jamais c'est pareil. C'est pas Far Harbor, je dois se méfier. Sans Dima, je ne sais même pas si tout ça a encore un sens. Bien. Mon calvaire se termine. Qu'est-ce qui se passe ? Habitants de Far Harbor, vous me connaissez. Cela fait des années que nous vivons en bonne entente. Et il m'énerve là, l'autre, en plein milieu. Mais trouve une place, arrête de bouger. Mais j'ai trahi votre confiance. Je vous ai caché la vérité. Peu après la fondation d'Akkadia, j'ai tué l'une des vôtres et je l'ai remplacée par l'une de mes synthétiques. Hein ? Qui ça ? Je ne peux pas vous dévoiler l'identité de mon agent. C'est une victime dans cette affaire, tout comme vous. Elle ne vous causera plus d'ennuis. L'unique responsable, ouais, enfin, merde. C'est moi. Oh, on te revient. Ouais, bah, continuez. Continuez, Dima. Je voulais prouver comme mes synthétiques étaient capables de... Là, pour ce que je... La paix ? Assassiner l'un des nôtres, c'est un acte de paix pour vous ? Je propose qu'on bute ce salopard ! Allen, ça suffit. Dima paiera pour son... Ce que tu proposes, c'est du meurtre. Ah. Si on les laisse vivre, on saura jamais s'ils nous tuent pour nous remplacer l'un après l'autre. Non. Qui est avec moi ? Alors... On va... Lui dire de fermer sa gueule. Chaque fois que vous ouvrez votre grande gueule, Allen... Vous faites du tort à votre ville, alors fermez-la. Non mais je rêve. Vous méritez que... Ne l'écoutez pas. Mon frère sait ce qu'il faut faire. Vous voyez la coque ? On n'y serait jamais arrivé seul. Et qui nous a aidés ? Vous écoutez les discours haineux d'Allen. Mais qui a fait la danse du capitaine ? Personne n'a bougé le petit doigt pour sécuriser ma ferme et venger ma famille. Et qui a réussi cet exploit ?
Et Allen, qu'est-ce qu'il a fait à part causer des problèmes? Vous vous rappelez qui a sécurisé la Syrie? Sans son aide, on n'aurait jamais pu reprendre notre île. Merci Bertha. Son oncle est encore en vie. Ce n'est pas grâce à Allen. Allez, hop. C'est bon. J'abandonne. Allen, Far Harbor a parlé. Le sujet est clos. Merci Bertha. Dima, le meurtre est un crime grave. Il n'existe qu'une seule peine pour les meurtriers. Si vous avez une dernière chose à dire... Je regrette. J'y vais le vieux. Mitch. Chaque foyer, chaque ville, chaque peuple a sa part. Le brouillard, mais si nous il est dangereux, vous comprenez? La paix, nous ne devons... par nos pires penchants. Justice a été rendue. Je compte sur vous pour respecter la paix instaurée entre Far Harbor et Acadia. Je vous en prie, qui me dit que Far Harbor n'est pas trop dur avec vous. Bah, parfait, allez hop. Oh, ouais, on va enfin sur le Katsumi. Nick, tu étais assis dans le vide. Bref, une bonne affaire de régler. Et on va essayer de faire du pipeau à la confrérie de l'acier. On va pas détruire Acadia. Peut-être pas, on verra. Selon mon humeur du jour. Katsumi! Dima est mort. Vous avez découvert la vérité et il a payé pour ce qu'il a fait. On a fait ce qu'il fallait. N'est-ce pas? C'est la seule chose à faire. Il a tué quelqu'un. Il devait répondre de ses actes. Vous avez raison. Écoutez, quand vous m'avez retrouvé, vous vouliez me ramener chez moi. J'ai fait beaucoup de peine à Kenji et Rei en partant, n'est-ce pas? J'aurais pu faire... Est-ce que je devrais rentrer? À Acadia, tout a été... réglé. Kazumi, je t'en prie, écoute-moi. C'est bien le problème. Je ne pourrai jamais en être sûre. Mais vous avez raison. Je ferais mieux de préparer mes affaires et de dire au revoir à tout le monde. Merci pour tout. Peut-être qu'on se reverra dans le Commonwealth. Bah écoute. Il n'y a que ce moyen de savoir si t'es une synthétique. Mon ménage est fait. Ah merde, elle ne meurt pas vraiment. Bon bah du coup je peux pas voir si elle a des composants synthétiques sur elle. Ouais, bon. Parfait. Maintenant, on va s'occuper de ces idiots d'enfants d'atomes. Oh merde! Putain, laissez-moi le temps d'arriver! Ça vient toucher quelque chose. Ça n'a rien touché. Putain. Mais meurt. Oh.
putain, il va s'en crever lui là-haut. Putain, il est costaud. Oh, ce qu'il faut lui mettre. Ok, j'ai aucune solution. Je vais tout buter. Et salut, je suis un toxico. Bon, on passera par une vue de mes avant-postes pour me faire soigner. Hop là! Putain, il m'aura donné du mal. Il y en a encore un. Pas un primate, juste un frappeur, ça va. Brouillard, les enfants. Quelque chose. Bien, bien, bien. Bim. Reste encore une bestiole. Ça fait du bien un peu d'exercice. C'est pas faux. Ok, on enchaîne. Pour voir ce qu'il nous reste. Ça va être un bon combat. Qui est ce petit? Ah putain. Arrête de me couler comme ça, on n'est pas si intime. Oh, le coup de masse. Oh bonjour messieurs. Arrête de bouger. Il n'est pas obligé de faire ça. Ça c'est fait. Debout. Non, je vais pas sortir. Voilà. Donc. Le mec prend à mourir, il en peut plus.
Hé, vous êtes... Eh, ça donne quoi sur ton chapeau? J'ai besoin de quelque chose? Hé, dites-moi. Je te retrouverai un chapeau. C'est tout. C'est bon. Et je laisserai personne utiliser mon sous-marin pour détruire la planète entière. Ah, il a caché les codes du sous-marin. Ça doit être code de carte d'accès ou code sous-marin, j'ai pas vu. Code. Aujourd'hui. Données, quête. Et le banc de l'abri sécurisé. C'est... Ah. Là. Un peu conne quand même la dame. Tu peux gueuler tant que tu veux, Arnie. Tout le monde a été évacué, il reste que nous. Allez, concentre-toi. Où est la clé? Va te faire foutre! J'ai tout mon temps, Arnie. D'accord, d'accord. Qu'est-ce que ça change de toute façon? Elle est sur le bateau. Le quai de Frinchkov. La combinaison est... Oh, 40, putain. 4, 6, 75, 12. Eh ben, tu vois... C'est fermé. Adieu, désolé, capitaine. Bon, elle est où, la commande? Tu vas devoir rester ici. Avec moi. Allez, petit règlement de compte. Bon, on se tire. On va passer vite fait chez le doc. Tiens, en fait... Hé, hey, je suis tout oui. Nick. Alors comme ça, Dima est mort. Tous ces discours de fraternité n'ont plus d'importance maintenant. Ça va? Ça va aller? Non. Non, je crois pas. J'en ai pris des coups dans ma vie. Mais celui-là me touche trop personnellement. Ah. Allons-nous-en, vous voulez bien? Bon. Fais pas une dépression. Bon. Allons. J'ai entendu le coup de feu. Non, je deviens fou. Qu'est-ce que vous regardez? Merci. Je cherche des drogues. Eh ben. Je veux pas des drogues. Je cherche des drogues. Je veux que tu me soignes. Je veux pas acheter.
Je cherche des drogues. Allons à Far Harbor, finalement. Juste. Nick ? Hey, je peux faire quelque chose pour vous ? Attends ici. Oh, Valentine. Alors, la chasse aux holobandes dédiées a été bonne ? Je cherche encore. Je cherche encore. Prévenez-moi quand vous aurez. C'est pas ça que je voulais. Attention. Allez-y. Je peux faire quelque chose pour vous ? Ouais, juste. Il est temps que vous partiez, Nick. C'est vous qui voyez. Reste ici. Moi, je vais à notre docteur. Bon, faut toujours aller récupérer ces petits codes. Et... Oh putain. Il y a quelque chose qui nous. Non, c'est bon, j'ai pas envie. Putain. Sa mère. Putain. Il va se calmer le fangu. Putain, mais c'est quoi ces bestioles? Eh ben. T'as raison, Fel. Envoyons-nous un petit. Bateau, je sais pas ce que c'est, mon. Là. À la flotte. Argent, un beau vieux bourbon. Il éclate un instant nucléaire. Et on remonte. Oh putain. Putain, mais ils sont trop costauds ces bestioles. On se tire. Ça suffit de se planquer. Là, c'est bon, laisse tomber, on se barre. Allons voir nos amis du noyau, des enfants d'atomes. Et on y est. Allez, je m'envoie un petit bourbon et on y va. Et je suis alcoolique. Parfait, rien de mieux que de picoler avant de se battre. Sa lumière, guidée.